Maurice Serge Roland Limagnon, agent de développement rural et responsable de la ferme semencière d'Alafiarou, en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, officiellement chevalier de l'Ordre du Mérite Social du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu ce jeudi 4 avril en présence de parents et amis. Au nom du grand maître de l'ordre, le vice-chancelier a salué les efforts inlassables de l'homme et sa contribution au rayonnement du secteur agricole. Ferme semencière d'Alafiarou, une position stratégique dans le développement des filières au cœur de notre plan stratégique de développement du secteur agricole. Dans votre carrière, vous avez essentiellement servi comme chargé de suivi des activités de production des semences de base sur la ferme d'Alafiarou et inspecteur d'engrais au niveau central. Votre distinction vient nous rappeler que nous n'avons pas le droit d'oublier les hommes de l'ombre. Pour le récipiendaire, cette distinction marque une nouvelle étape cruciale dans sa jeune carrière. Il n'a pas manqué d'adresser ses sincères remerciements à son ministre de tutelle. C'est une impression de joie, de fierté, parce que reconnaître les mérites d'un agent, comme l'a dit le vice-grand chancelier, d'un agent dans l'ombre. Et c'est vraiment une joie, et cette joie sera partagé avec tous les acteurs de la chaîne de production des semences, avec tous les acteurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et pour que les années à venir, que nous menions encore des actions plus grandes pour impacter positivement le sous-secteur des semences végétales. Au début d'une carrière, cela n'arrive pas souvent. Ça veut dire que d'une part, de cette joie, et cette fierté doit nous accompagner, doit être pour la jeunesse, c'est-à-dire le guide, pour nous permettre d'aller plus loin. C'est quand même une fierté, et je tiens également à remercier toutes les autorités du ministère de l'Agriculture, en particulier le ministre de l'Agriculture, le Val de la Pêche, qui a placé sa confiance en moi depuis 2016. Plusieurs autres cadres de l'administration publique ont été aussi élevés au grade d'officier et de chevalier dans l'Ordre du Mérite du Bénin.